Mike. C'est toi le responsable ? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Alors, qu'est-ce qui amène Aloy Denora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'Ouest. Et maintenant que Voidis le studio est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple ? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah, Aloy, c'est bien ça ? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide, mais nous, nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal, et tant que les Ténacs ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Regala, la plus grosse erreur du chef Ekaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? À nous ! Descends et affronte-moi ! Non ! C'était un défi honorable. Tu as mérité ta survie aujourd'hui. Camarades ! Retenez cette journée ! Le jour où vous avez décimé les maréchaux et massacrer les Karja. Il faut que je me mette en route. Alors bonne chance. Les portes seront toujours ouvertes pour toi si tu souhaites rentrer. Et ne t'inquiète pas pour tes amis. Nous prendrons soin d'eux. Je te remercie. Que le soleil veille sur toi, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Les amis, nous nous retrouvons pour la suite de cette aventure d'Horizon Forbidden West. Et c'est parti. Bon, voilà l'Ouest prohibé. Un nouveau territoire à explorer. Les coordonnées de la flèche devraient me mener à Silence et à... Bon. Une copie de Gaïa. Ce ne sera pas facile. La Niel, les tempêtes... Les machines de ok. Mais je dois affronter tout ça. Hop. Je dois essayer de sauver. On a bien travaillé. Comme l'aurait fait Elisabeth. La femme derrière l'embuscade, ce gars-là. Il avait beaucoup de machines à ses ordres. Une seule autre personne a les connaissances nécessaires. Silence. Mais dans quel but ? Pourquoi aider les rebelles Ténac ? Je te jure. Ouais, je ramasse tout, les gars. C'est l'endroit idéal pour tester l'aile guide. Pourquoi m'accrocher quand je peux planer ? Bon. Déjà, on a quelques compétences à mettre. Guerrier en aura, ça c'est bien. Ça j'aimerais bien. Ça, infiche fusée des souffles de. Ouais. Infiche fusée avec des attaques légères et lourdes, oui. Ça c'est ça que je veux.
Attends, mais j'ai beaucoup de compétences, hein. Ça, c'est quoi? Ah ouais, tout ça, c'est tout ce qui est piège, tout ça. Ouais. Ça va être utile. Très important. Bon, on a déjà fait toutes ces compétences là. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est pourquoi les bobines, c'est son. Ah, il faut que j'améliore l'arme. Faut que j'améliore l'arme. Ok. Donc, faudra que j'améliore l'arme, les gars. Ouais, ça j'aime bien comme ça. Rare, assez rare, j'aime bien, je préfère. Ça, on s'en fout. Bon. Pour l'instant, je peux pas. Vous avez une technique d'arme. Les techniques d'armes sont des attaques uniques, puissantes, qui vous offrent une stratégie exceptionnelle en combat. Les techniques déverrouillées sont disponibles pour toutes les armes de leur catégorie. Maintenez en appuyant sur un visant pour utiliser la technique sélectionnée. Lorsque vous utilisez une technique d'arme, l'endurance d'arme baisse, elle se régénère ensuite progressivement. Changez de technique d'arme pour votre arme actuelle en ouvrant la roue L1 et en appuyant sur... Ok. 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 Ça a marché! Oh, super! Je vais pouvoir sauter de n'importe quelle falaise maintenant. J'avoue. C'est très intéressant. Oh, au moins, ça rafraîchit. On doit aller à 1000 mètres. Daniel a envahi cette région aussi.
Ah, ok. Il se passe quelque chose dans ce campement. Sais jamais si j'aurais besoin de ça. Sauvegarde rapide les amis, on va du coup devoir trouver d'autres camps de ferrailleurs. Parce qu'en soi, lui, j'ai fini toutes ses quêtes. Hein. Aloy, j'ai des pièces. Ça y est, j'ai fini toutes ses quêtes. On va pouvoir aller là. Ça, c'est bien qu'il reste longtemps quand on le pirate. Ça, c'est vraiment pas mal. Faudrait que je ramasse des trucs pour... Franchement, le désert très très stylé par contre. Je garde ça pour quand j'en aurai besoin. Il me faut tout ça, c'est important. Casse. Wow. Purée, ça fait mal, hein. Une ruine de l'ancien monde. Je me demande ce qu'il y a dedans. Une ruine. Bon, voyons ce qu'on peut trouver là-dedans. Ah oui, on peut trouver des trucs. Où s'accélère ?
Cette caisse pourra me servir. Des cristaux rouges, ils envahissent le mur. Mais je pense pas pouvoir y faire quoi que ce soit. Comment je peux faire pour monter là-dedans? Bon, tant que je peux pas traverser ces cristaux rouges, je peux pas faire grand-chose. Je ferais mieux de partir. Malheureusement, j'ai pas encore ce qu'il faut. Je ramasse. J'aurais besoin de beaucoup de trucs. Faut pas aller à gauche. Je suis à mon lago. Ces deux derniers. Putain, elle a beaucoup avancé quand même là. Oh, oh la machine de fou. Direct les coordonnées fournies par Silence Man. Aller à l'aise sur un autre titan.
sacrée surface à explorer. Hey. J'y suis. Ce sont les coordonnées que j'ai scannées sur la flèche. Ok, j'ai un point pour sauvegarder. L'atelier installé sous un horus noir. C'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver Silence. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? Pauvre Hadès, tu es tout à l'étroit. Pas de place pour penser. Tu ne peux même pas parler. Alors que l'orbe de traitement d'un titan, en revanche, tu connais déjà. Une fois que je t'y aurai chargé, tu te sentiras bien plus à l'aise. Pareil, clignote. Du moins jusqu'à ce que l'interrogatoire commence. Ok. Oh, il y a un autre truc ici. Une sorte de journal. Une grande partie est censurée. Mais on dirait que Silence s'était forcé de faire parler Hadès. On va utiliser l'établi après. Hein. Là. Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé, au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Tu ne crois pas? Il faut peut-être te rappeler que tu as échoué. Alors, tu vois, Aloy, Gaïa peut être relancée. Quant à l'emplacement d'une copie, eh bien, tu vas devoir me suivre pour en savoir plus. Il est persuadé qu'il a tout compris. Pourriture. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'orbe. Eh bah, ça se corse tout ça. Hein. Bon, je vais utiliser la tuile. Est-ce qu'on peut pas améliorer tout ça? Voilà. Une munition électrique me serait bien utile.
Comment il veut que je monte là-haut ? Bon. Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'Ouest? Ça a l'air certain d'avoir trouvé une copie oublie, de secours oublie. De Gaïa, mais... Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages, si tu veux. Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. Alors qu'est-ce qu'Hadès lui a dit? J'ai tout ce qu'il te faut. Oh... Bon allez les gars, on va continuer. Ok, alors... On dirait que la piste continue dans la colline. L'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Thank you.
définitivement cette fois. Même comme ça, tu mets en danger Gaïa. Quand je l'aurai ressuscité. Donc, tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors, Gaïa est morte. La Terre est pour être condamnée, malgré mes défaillances. J'ai gagné. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. C'était trop simple. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hades? C'est comme si... on t'avait vidé. Silence m'a interrogé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien? Je me souviens de toi. Quoi, quand je t'ai battu à la flèche? Bon, ça ne mènera nulle part. Tu sais où est allé Silence? Non, il est parti il y a 12,8 jours. Le délire. Tu n'en sais pas plus que moi. Génial. Tu sais pourquoi Silence t'a amené jusqu'à ces ruines? Silence avait prévu que tu me trouves ici même. Évidemment. Pourquoi? C'était quoi cet endroit? Ce lieu était le... erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Mais tu... Je suppose que je comprendrai à l'intérieur. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées? Chaque fonction a migré vers des coordonnées basées sur... Tadia démente, éparpillée on ne sait où pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu n'es pas contente. Tant mieux. On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hades. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux. Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience. Qui l'a envoyé? Signal transmis par les maîtres. Qui sont les maîtres? Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Qui pourrait vouloir ça? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Ça suffit. Il est temps d'en finir. Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hades? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hades a détruit la vie. Quoi? Tu te souviens?
souviens de ça? Et alors? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'expansion en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois? Mais oui. Tu peux me confiance. Faire... Confiance? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça? Il y a une raison qui... Il y a le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa? Oh oui. Je crois que oui. Où ça? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là la bouche ouverte? T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux. Juste pour être sûr... Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Qu'il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Faro a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Faro ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système, rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre... Là-dedans? C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. La Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible.
Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège ? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora. Mais dans ce genre de situation, il te faut dire « merci » et je te répondrai « je t'en prie ». Bon, on sait plus trop quoi penser de tout ça parce que là...